GoLab, Goss Africa ou plus court GoGa. C'est une plateforme référentielle de laboratoires en ligne et d'applications. Son but, promouvoir l'apprentissage par investigation dans l'enseignement des sciences dans les écoles. Apprendre avec des laboratoires virtuels en utilisant la méthode par investigation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, en l'absence de laboratoire physique, comment utiliser la technologie, faire des simulations et permettre aux apprenants et aux éducateurs d'utiliser ces laboratoires virtuels pour permettre à nos étudiants, à nos élèves, de maîtriser les enseignements et d'évoluer pour le développement de notre pays. GoGa est mise en œuvre par un consortium de partenaires africains et européens réputés dans les domaines de la technologie, de l'éducation et de la formation des enseignants. Le projet est piloté au Bénin par Etrilabs, une innovation technologique que le gouvernement, à travers le ministère de l'économie numérique, épouse déjà. Vous convenez donc avec moi que le projet qui nous réunit ce jour est une innovation qui permettra d'accompagner les efforts fournis par le gouvernement. Aussi voudrais-je recommander la prise en compte des exigences techniques et pédagogiques au regard des contraintes de déploiement propres à notre pays qui seront collectées et documentées. J'invite les différents acteurs à s'engager sans réserve afin de conduire la mise en œuvre du projet conformément aux orientations définies. Pour ma part, je vous donne l'assurance que le département ministériel en charge de l'économie numérique ne ménagera aucun effort pour faciliter et veiller à l'exécution du projet en vue de l'atteinte des objectifs. 120 enseignants seront sélectionnés et formés sur toute l'étendue du territoire national. In fine, le projet impactera 1000 enseignants, 200 écoles et 64 000 élèves. Un coup de pouce qui va certainement contribuer à booster le niveau scientifique des apprenants dans les écoles.